Bonjour tout le monde. Euh, bonjour, bonjour. J'espère que les couvertes font un peu effet. Merveilleux, merveilleux. Ça me fait vraiment très plaisir d'être d'être avec vous aujourd'hui ce matin pour vous parler du restart. Euh, c'est drôle, c'est j'ai rencontré Jean Christophe. Euh, on va dire euh, et, euh, Jean Christophe. Hey, je me trompe Oui. Excusez. Oui. Euh, j'ai rencontré Jean Christophe. Euh, il y a à peu près trois mois de ça pour lui parler du projet l'espace d'initiative, le projet de requalification de l'église Saint-Charles-de-Noumoulou euh, en laboratoire d'innovation sociale je l'occasion d'en parler un petit peu plus plus tard puis euh, c'est lui qui m'a invité à, dire, à venir parler de Restart parce que le lien se fait comment repenser un bâtiment patrimonial comment lui redonner une seconde vie à l'onde des enjeux que rencontre notre société actuelle puis j'ai commencé à réfléchir à ça euh, j'ai commencé à euh, à penser à, bon, euh, comment je peux vous présenter ça? Je pensais euh, remettre peut-être un peu, c'est drôle à dire, mais j'ai un, un speech sur la présentation du projet. Puis, on s'est écrit rapidement, puis il m'a dit, là, Edouard, il ne faut pas que ça soit un pitch de vente du projet. Je fais, bon, OK, parfait, c'est vrai. Et euh, ce n'est pas ce que je voulais vous faire non plus, là, mais ça m'a quand même amené à me replonger sur le restart. Hey, tu vraiment synchro, c'est exactement ça. Et, euh, et euh, à. J'ai recommencé un peu la réflexion. Je me dis, c'est quoi le restart? C'est quoi par où on commence? Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de réponse? Ben, On va sur Google et j'ai googlé restart, redémarrer. Euh, comme pas mal de monde, j'ai recommencé la réflexion. Et surprenamment, il y a une diversité euh, d'éléments qui sont sortis. Euh, vraiment. Euh, euh, J'ai été assez surpris par tout ce qu'on a vu. Euh, le premier élément qui est ressorti, c'est le rehab. Bon, je, je pense qu'elle se, se passe de présentation, tout le monde la connaît, Amy Winehouse. Euh, la réhabilitation, donc, euh, qui est une dimension très personnelle du restart qui est ressortie assez rapidement quand je faisais mes recherches. Euh, une dimension de recommencer, euh, repasser une étape, passer par-dessus peut-être, euh, euh, un enjeu dans sa vie, puis revenir à un état de bien-être particulier. Après ça, euh, j'ai voulu ressortir tout ce qui est les reboots, les reboots culturels, euh, où est-ce qu'on va reprendre une formule qui a bien marché, puis on va essayer, essayer d'y euh, mettre une autre sauce, ça veut dire d'y faire peut-être une sauce plus personnelle pour euh, lui aller chercher peut-être d'autres cotes. Mais en même temps, la question se posait à la, savoir est-ce que les reboots, et, euh, les films de reboot, est-ce que c'est. Euh, c'est quoi la créativité par rapport au reboot? Est-ce qu'on est-ce que c'est des processus qui sont créatifs ou non? Ou est-ce qu'on va juste faire ça à des, à des finalités euh, marchandes, on pourrait dire? Puis euh, ben là, j'en ai parlé un dimanche soir autour euh, de la table familiale. Puis mon beau-père m'a dit ben Moi, le restart, la première affaire, c'est quand je repars mon Mac puis que ça ne marche pas. Et euh, c'est vrai qu'il y avait toute la dimension informatique de dire ben, On va essayer de, de passer par-dessus un virus, on va essayer de, euh, de repartir à neuf et euh, de recommencer. Et euh, une des dernières dimensions qui est ressortie, euh, du moins, puis là, c'est quand j'en ai parlé avec Jean-Christophe encore, il me disait euh, récemment, on ne peut pas passer à côté de tous les mouvements migratoires. Et moi, ça m'avait l'autre, je ne les avais pas vus passer. Ben, pas, pas vu passer parce qu'on peut pas les manquer mais euh, tout le grand mouvement migratoire qui s'est passé euh, qui se déroule encore actuellement euh, du Honduras à la frontière mexicaine puis qu'on a entendu parler encore assez récemment euh, qui est un grand mouvement on vrai dire euh, de personnes qui sont à la recherche de meilleures conditions de vie et qui dans ce mouvement là ben euh, vont entamer aussi un nouveau départ un nouveau départ qui est ici ce qui est intéressant qui est basé sur l'espoir de quelque chose d'autre l'espoir de trouver une situation meilleure en même temps sans vraiment savoir ce qui nous attend aussi, euh, rendu là. Et bien entendu, euh, une dernière chose qui est ressortie, qui est en lien direct avec le projet, c'est euh, la requalification de bâtiments patrimonial. Euh, la, re la requalification de euh, toute la dimension architecturale du restart. Et euh, comment est-ce qu'on peut partir d'un élément qui est construit, qui est, qui est visible, qui est, qui, est, qui est un bâtiment? et lui donner une deuxième fonction. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que des fois de repartir, euh, ça s'inscrit un peu entre euh, la continuité et la rupture, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose, on part d'un élément, on part d'un... Ici, c'est un bâtiment, euh, il y a un bagage, au même titre que les migrants, c'est moins visible, mais ils ont leur histoire, ils ont leur culture. Ils partent avec pas grand-chose et ils veulent recommencer à quelque part. Et nous, c'est un peu ce qu'on veut faire ici dans le bâtiment, c'est lui redonner une deuxième vie. Mais il faut faire avec l'existant, il faut faire avec le passé et il faut même l'utiliser pour euh, le mettre en valeur et développer le projet en adéquation avec ce, ce qui a été le projet, euh, le bâtiment par le passé. Puis euh, au, fur et au fur et à mesure que je réfléchissais euh, à tout ça, euh, que je voyais les différentes euh, visions qu'on pouvait avoir du restart, que je voyais comment est-ce que c'était compris ou comment est-ce qu'on pouvait l'aborder, euh, je me suis un peu tourné vers moi-même, puis je me suis dit, moi, est-ce que j'en ai vécu des restarts Est-ce que, est que j'en ai vécu des moments dans ma vie où est-ce que, euh, est que je me suis dit, bon, ben là, on va, on va faire une étape, on va passer, on va recommencer, ou du moins, on va essayer de... D'être autre chose, de passer par-dessus un, euh, un défi, par exemple. Le premier, c'est très drôle, euh, c'est euh, relatif à mon nom. Euh, moi, quand j'étais, pour vous raconter une petite histoire, là, moi, je viens de Montréal, originalement. Euh, quand j'étais au primaire, euh, toute ma famille, tous mes amis m'appelaient Julien. Puis au primaire, euh, moi, j'étais pas. Euh, J'étais pas le premier qu'on choisissait pour jouer au ballon chasseur. Là. Euh, euh, <laughs> donc, euh, donc quand j'ai décidé de, de changer d'école, je me suis dit là, ça va changer. Puis à partir de ce moment-là, euh, je me suis décidé de me faire appeler Edouard. Donc c'est pour ça que Jean-Christophe était un petit peu perdu tout à l'heure. Euh, parce, euh, parce que après, après ma, dou ma douzième année de après mes douze ans, après, tout le monde a commencé à m'appeler Edouard et ça donnait des situations très, très drôles où est-ce que euh, j'avais des amis qui appelaient chez nous et qui demandait à ma mère, euh, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Edouard Et là, il entendait ma mère dans le téléphone crier, Juliet, t'es où Et là, le monde était complètement parti perdu. Mais bon, après ça, il comprenait, mais, euh, mais ça, ça, ça a été probablement mon premier restart. J'en ai vécu, vécu d'autres, je vais revenir là sur deux autres aussi, là. Mais euh, est-ce que euh, j'ai voulu euh, peut-être euh, amener un changement, une autre perception de moi-même, puis euh, passer par-dessus... Euh, des, euh, des défis que je rencontrais ou euh, des visions qu'on avait de moi-même au primaire en me disant je vais recommencer un peu plus à neuf au secondaire. Et euh, à savoir si ça a marché, ça a marché ou non, l'avenir nous le dira. Mais euh, ça a quand même été un, un des premiers que, que j'ai vécu. Le deuxième, ben, bien entendu, ça a été euh, le passage de Montréal vers Québec. C'est particulier parce que très souvent, on dit que. Euh, recommencer ou repartir, ça demande un choix, ça demande que c'est quelque chose qui est volontaire. Moi, je dois vous avouer que le, le, le passage, le, le nouveau départ que j'ai vécu en arrivant à Québec, euh, je l'ai vécu euh, sur le tort parce que venant de Montréal, j'ai fait bon, mes études en anthropologie là-bas, j'ai fait un échange à Lyon. Euh, puis à Lyon, euh, j'ai connu ma copine, Marie-Laurence, qui est de Québec et je voulais faire une maîtrise en anthropologie hein, sur la gestion du territoire forestier. Et euh, le prof était ici à Québec en plus, donc euh, je me suis dit « ça va de soi, c'est pas très loin, je vais venir à Québec faire mes études et tout ça ». Et euh, je n'ai pas envisagé à ce moment-là tout le défi que pouvait être... Euh, un changement de ville, même si c'est juste à 250 km, et je vous dirais que ça fait quand même une bonne différence. Donc ici, moi mon, mon nouveau départ, je l'ai pas vécu sur le moment. Je l'ai vécu vraiment à retardement, euh, après coup, euh, de me rendre compte quels étaient les défis de se recréer un réseau social, de euh, repartir dans une nouvelle ville, de réapprendre, même si c'est Québec-Montréal. Ça m'a permis aussi en même temps de prendre la mesure de ce qu'était un parcours migratoire de beaucoup plus grande envergure, où est-ce qu'on arrive à quelque part avec notre bagage, mais qu'on est aussi confronté à un environnement qui est très différent, auquel on doit s'adapter et recommencer encore une partie de notre vie. Et euh, le, dernier, euh, le dernier restart que j'ai vécu, c'est probablement moi à la, de, à la fin de ma maîtrise en anthropologie. Euh, J'ai fait une maîtrise justement qui portait sur la gestion du territoire forestier, puis les liens avec toute le, la participation publique des Premières Nations dans des processus de gestion, pour savoir euh, en fonction de quoi ils participent, pourquoi, c'est quoi leurs intérêts, puis euh, c'est quoi les différentes limites aussi à leur participation en même temps. Et ça a été, non, on peut revenir par contre... Là. Euh, et ça a été un, merci. Ça a été un processus qui a été quand même euh, assez difficile, assez ardu pour ceux qui ont fait des mémoires. Euh, C'est très dur des fois sur la fin. Euh, j'ai terminé ma maîtrise, puis même si ça, ça a très bien été, dans le sens que je veux dire, euh, j'ai eu un bon mémoire, ça a été bien reçu, tout ça. Euh, J'étais quand même très amer face à ma maîtrise, puis je sentais en même temps le besoin de joindre l'analyse théorique, on pourrait dire, à quelque chose de très pratique. À j'avais besoin de plus juste être à l'université, de plus juste être avec mon, mon mémoire, mais de m'impliquer socialement, d'amener un changement social beaucoup plus concret, beaucoup plus euh, mesurable, on pourrait dire. Et euh, pour moi, j'ai fait un petit contrat après ma maîtrise, mais ce n'était pas envisagé que je continue en recherche, du moins à ce moment-là même si j'ai jamais étudié parce que euh, j'avais besoin d'avoir un ancrage concret. J'avais besoin de sentir que ce que je faisais était pertinent, euh, faisait du sens, euh, que ça améliorait les choses puis euh, j'ai pris un temps de pause, j'ai pris un temps de pause euh, après ma maîtrise, j'ai travaillé euh, chez Mec, chez euh, le, le magasin de plein air qui est, qui est maintenant qui a migré. Euh, j'ai vécu d'autres expériences, j'ai fait des contrats de recherche un peu dans le nord aussi. Puis, euh, j'ai commencé à m'intéresser à un nouvel endroit où est-ce que j'étais, qui est Limoilou. J'ai commencé à m'intéresser à mon quartier. J'ai commencé à m'intéresser. Je me disais, on part, on va, on va savoir où est-ce que... Là, j'habitais dans Saint-Jean-Baptiste avant. Je me dis, bon, on va s'intéresser euh, à Limoilou. Je trouvais que c'était un quartier qui, en plus, résonnait beaucoup avec moi parce que, venant de Montréal, Limoilou est un quartier qui ressemble à plusieurs secteurs de la ville de Montréal. Et euh, j'ai commencé à lire sur le quartier. Puis, de fil en aiguille... Avec des amis, on réfléchissait à l'avenir des églises. On voyait, en particulier après un conseil de quartier, que l'église Saint-François d'Assise, qui est pas très loin, allait être démolie. Et c'est comme ça que euh, le projet est parti et que euh, à terme, je, je suis devenu le cofondateur parce qu'à la base on était quatre fondateurs à ce projet-là et le coordonnateur d'espace d'initiative. Et c'est très, très drôle parce que j'allais dans des, des parties avec des amis puis ils me disaient ouais puis c'est quoi le lien entre la gestion de projet? et, euh, et euh, l'anthropologie. Puis pour plusieurs, euh, c'est clair que ce n'est pas évident comme lien. Et euh, c'est vraiment suite à euh, bah, différentes réflexions que moi-même, je me suis... Poser la question pour finalement te rendre compte des fois que quand il y a des ruptures il y a une continuité puis il y a un fil conducteur qui se fait à travers chacune de ces ruptures là euh, le lien là entre les deux c'est assez simple à vrai dire c'est qu'un euh, projet comme on développe ici dans l'église saint charles de ça se fait pas tout seul ça se fait avec toute une communauté ça se fait avec tous les partenaires du milieu ça se fait avec les citoyens et moi, dans ma maîtrise, je me suis rendu compte à terme que ce qui m'intéressait, c'était la participation publique. C'était à savoir comment est-ce que dans des différents processus de participation, on peut en arriver à une plus grande justice sociale, à développer des liens de solidarité. Et du coup, euh, le travail de gestionnaire, on pourrait dire, c'est un travail avant tout de mobilisation des différents acteurs. Et c'était directement en lien avec ce que j'ai fait euh, au cours de ma maîtrise, à la différence que là, je ne l'étudiais pas. J'avais les deux mains dedans. Et moi, ça, ça m'a vraiment passionné. Donc, euh, au fil de, de mes réflexions, je me suis rendu compte que justement, euh, le restart, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier parce que euh, ça demande un processus qui est très réflexif, qui est très introspectif sur soi-même. En même temps, ça demande de ne pas tout mettre derrière ça demande d'être de, 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 à même de se dire je vais utiliser ce que j'ai pour aller plus loin, euh, puis euh, recommencer euh, à nouveau. Euh, donc, il y a euh, trois, moi je vois mal parce que j'ai euh, un autre petit problème, il y a trois grands éléments, à vrai dire, que euh, je trouvais qui étaient un peu transversales dans le restart. Euh, ben, d'une part, ça prend une prise de conscience, à mon avis. Ça prend euh, un moment où est-ce qu'on se, se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Ça peut partir d'une sensibilité. Ça peut partir de quelque chose qui est aussi très collectif. On peut se rendre compte collectivement que... Euh, le pétrole, ça ne marche plus et qu'il faut recommencer, il faut repenser quelque chose. On peut se rendre compte qu'il y a différents enjeux sociaux comme ça, c'est vraiment une prise de conscience qui est collective. Après ça, bien entendu, il y a un temps de réflexion, à mon avis. Une fois qu'on constate qu'il y a un problème, ben, il faut se poser, il faut y réfléchir, il euh, ne faut pas, à mon avis, agir dans l'immédiateté. Les, les problèmes complexes demandent des solutions qui sont souvent complexes et qui demandent un temps de réflexion. Puis le restart se produit au moment où est-ce que on décide de passer à l'action. Lorsque on dit, dit ben, cette situation-là que je vis ou qu'on vit n'est plus viable à long terme, et je décide de changer les choses, je décide de passer à autre chose. Euh, il y a trois dimensions que j'ai un peu nommées, que moi je voyais, euh, une qui est à la fois individuelle, euh, parce que ça peut se faire au niveau individuel, mais ça peut très certainement se faire au niveau collectif vraiment puis je pense que au niveau collectif c'est très porteur parce que très souvent pour redémarrer on a aussi besoin du soutien des autres personnes et euh, au niveau collectif quand on est ensemble la force du groupe est beaucoup plus forte que celle d'un individu seul euh, ça peut se faire de manière volontaire puis très souvent je dirais que ça se fait de manière volontaire le restart demande qu'on choisisse c'est un choix faut choisir d'aller vers autre chose mais ça peut se faire des fois de manière involontaire ça peut parfois s'imposer à nous comme quand on on va très 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 mal et qu'on se fait dire ben là il faut que tu fasses de quoi parce que ça peut pas se poursuivre puis si toi tu fais rien moi je vais faire de quoi pour toi euh, puis euh, ça se situe entre la rupture et la continuité c'est au fil des lectures puis au fil de, de mes réflexions je me disais euh, le restart c'est sûr qu'il y a une rupture qui se crée parce que parce que, bien entendu, il faut recommencer quelque chose, puis il faut le faire de manière différente, donc une rupture. Mais en même temps, ce qu'on recommence, on peut juste le bâtir sur nos forces. On peut juste le bâtir sur ce qu'on est. Puis c'est essentiel de partir de nos atouts, de nos forces pour continuer. Donc repartir, c'est oui, instaurer une rupture, mais en même temps repartir aussi sur ce dans quoi on est bon, puis ce sur quoi on veut, euh, ce qu'on aime, à vrai dire, en, en bout de ligne. Puis au fil de ça, ben là, je me suis dit, ben, euh, peut-être que ça vaudrait quand même la peine, j'en ai parlé un peu au niveau personnel, de donner un exemple collectif, de parler de c'est quoi un processus de restart collectif. Puis à ce titre-là, espace d'initiative, le projet dont je parlais tout à l'heure en est un très bon exemple, de se dire comment est-ce qu'ensemble, on peut réfléchir à un bâtiment, mais pas uniquement un bâtiment, aussi un projet de société. Ça part de trois choses importantes, à notre avis, qu'on qu a identifiées dans le projet. D'une part, une idée, une idée de départ, puis les porteurs du projet. Ce qui est essentiel de, de l'idée de départ, ben, nous, pour nous, de notre côté, c'est parti d'une sensibilité, euh, une volonté, une sensibilité de se dire, des bâtiments comme ici, comme les églises, euh, ça peut pas, on ne peut pas les laisser se démolir de, sur eux-mêmes, on peut pas les laisser s'effondrer, on peut pas les laisser... Euh, Périr ou tomber comme ça, parce que si on ne fait rien, c'est en bullying ce qui arrive. Euh, il faut faire de quoi Actuellement, euh, les acteurs en place ne faisaient absolument rien, donc on s'est dit pourquoi pas nous Pourquoi pas à titre de citoyen essayer de faire de quoi Puis la deuxième préoccupation, à vrai dire, de ce groupe-là, puis cette sensibilité-là, c'était de se dire bien, si on veut faire de quoi de collectif avec un bâtiment qui était collectif. Bien, il faut qu'ils répondent aussi à des finalités, à des enjeux sociaux qu'on rencontre actuellement. Il faut que ça soit un endroit de réflexion, un endroit de mise à l'action aussi pour trouver des solutions aux enjeux sociaux, aux enjeux environnementaux que rencontrent notre, notre ville, bien, notre quartier, notre ville, mais aussi plus largement euh, nos sociétés. Puis pour réfléchir à ces enjeux-là, pour nous, ça allait de soi qu'il fallait le faire ensemble. Donc il fallait que ça soit un lieu de rencontre, un lieu d'échange. D'où allaient naître de nouvelles collaborations et des innovations à impact social fort. Pour nous, c'est ça. Puis je vous dirais, pour toutes les personnes qui veulent redémarrer, ça demande énormément de courage et ça demande énormément de persévérance. Parce que très souvent, on est, euh, on, est, euh, comment dire, on est confronté à des personnes qui partagent vraiment pas notre vision et qui ont même des craintes par rapport à celle-là. Donc, ça demande euh, d'y croire euh, coûte que coûte et d'avancer avec cette vision-là. Il n'y a rien qui nous garantit que les choses vont marcher, mais on va tout faire pour que ça soit le cas. Puis, nous, jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Donc, dans le restart, il y a une dimension qui est vraiment particulière, liée à l'espoir ou liée à la, à la foi, c'est drôle de dire ça ici, mais <laughs> qui, euh, qui fait en sorte qu'on euh, euh, qu on avance vers quelque chose, une image mentale de nous-mêmes qui est comme meilleure, mais qui... Il n'y a encore aucune certitude que ça se produise. Et euh, pourquoi le, le porteur du projet est aussi important? C'est parce que quand on part, ben là, nous, on s'est rassemblés. Des projets de restart, comme, des bâtiments, comme un bâtiment d'église, le porteur va avoir un impact énorme sur comment est-ce que le, le recommencement va se faire. Là, nous, on est un collectif de citoyens. Euh, si c'est une ville qui porte le projet, si c'est une entreprise privée, les impacts sur le développement du projet vont être très différents. Donc, à tous ceux qui ont envie de partir un projet, c'est super important. Oui, de, euh, de partir de ce qu'on aime, de ce qu'on veut réaliser, de notre propre ambition, de ce qui nous fait vibrer, mais c'est super important aussi de se donner une structure qui va être en adéquation avec ce qu'on veut réaliser. Donc, euh, c'est ça. Euh, le deuxième point qu'on trouve, euh, qui pour nous était essentiel à l'intérieur du projet, ben, c'était de partir du bâtiment. Partir du bâtiment parce que c'est notre histoire, c'est tout notre passé, c'est tout euh, notre patrimoine qui est ici. Puis, on ne peut pas construire quelque chose de nouveau sans tenir compte de notre histoire, sans tenir compte de ce qu'a été ce bâtiment-là. Euh, C'est-à-dire un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu pour la communauté. Euh, dans le temps ici, là, là on est à 57, là, mais euh, il rentrait 2000 personnes dans l'église. L'Imoilou, c'était 3000 personnes. Quand on parle de tiers lieux actuellement, là, des lieux de rencontre et d'échange, les églises, c'était ça. C'était des tiers-lieux, des lieux hors commercial, où est-ce qu'on se rencontrait pour, euh, sur le parvis, jaser des enjeux de la communauté. Et ça avait une force sociale extrêmement grande, à la fois positive et négative dans certains cas. Mais euh, vous, vous rendez-vous compte, la totalité de la communauté se rencontrait ici. Quand on, quand on venait le dimanche, il y avait 2000 personnes qui rentraient et qui sortaient. Quand on voulait voir quelqu'un, ce n'était pas sur les réseaux sociaux, c'était à la porte de l'église et sur le parvis. Donc c'était quelque chose, nous, qui pour nous était aussi au cœur du projet. Ces espaces de rencontre-là, où est-ce qu'on se rencontre de nos jours pour développer des projets? Euh, puis est-ce qu'on aurait besoin de nouveaux espaces d'initiative? Est-ce qu'on aurait besoin de nouveaux espaces, des tiers-lieux comme ça? Où est-ce qu'on peut réfléchir à notre société, mais aussi où est-ce qu'on peut développer des projets? Puis le deuxième élément qui est assurément lié au bâtiment, c'est qu'il y a un bâti architectural aussi qui est présent. En plus du patrimoine immatériel puis de l'histoire du lieu, il y a un bâti architectural euh, qui, pour nous, qu'on soit catholique ou non, reste quelque chose qui est assez transcendantal. Quand on rentre dans la nef et qu'on voit une nef de 17 mètres de hauteur comme ça, avec un maître autel en marbre, tu te dis me semble qu'il y a une richesse ici. Me semble qu'il y a quelque chose qu'on ne voit plus de nos jours, puis qu'on retrouve ici. Une fierté passée d'une population qui était ici, puis qui était fière de son quartier, puis qui, pour elle, la manière de l'exprimer, c'était à travers un lieu comme ici, dans lequel elle a investi pendant des années. Puis nous, c'était essentiel de développer le projet en adéquation avec ce bâtiment-là, pour le mettre en valeur. Euh, bien entendu, euh, on ne se mentira pas, des projets de requalification d'église, euh, ça demande aussi certaines concessions, parce qu'il n'y a plus 2000 personnes qui rentrent pour venir. Euh, écouter une personne parler, il y en a 57 maintenant, non, <rire> mais, <rire> mais, euh, mais ça, ça demande de repenser l'espace euh, pour être capable d'aller chercher répondre à, à fond aux besoins de la communauté, mais aussi pour être capable d'aller chercher les revenus pour faire vivre un bâtiment même, parce que là on le chauffage est dans le tapis et pourtant, hein, c'est pas chaud. Fait Imaginez, il y, y a des frais énormes qui sont liés au chauffage, à plein d'éléments de, plein de ce bâtiment-là, euh, qui nous demandent d'aller chercher des revenus qui nous demandent donc de rediviser l'espace et de faire certaines concessions liées au bâtiment. Et le troisième élément, nous, qui pour nous était euh, essentiel, c'était euh, ben de rassembler la communauté. Comme je l'ai dit, euh, des projets qui s'inscrivent comme ça, de, de, des projets de renouveau de bâtiment, ça ne se fait pas tout seul, euh, ça se fait avec la communauté. Là, ici, ce qu'on voit, c'est, euh, on ne le voit pas très bien, mais euh, c'est une assemblée citoyenne qui s'est déroulée dans l'église au début- début du projet. On était 150 dans l'église, puis là, on soumettait là, au tout début à la population, puis à tout le monde, une idée. Une idée de se dire, on va faire un lieu de rencontre ici. On avait cinq activités au départ. Je vous dirais, le projet, il me reste cinq minutes, c'est ça? OK, c'est bon, c'est parfait. Euh, le projet, euh, projet, euh, projet s'est modifié depuis, on ne se mentira pas, depuis le début, parce que, bien entendu, il y a d'autres acteurs qui sont venus se greffer au projet puis qui en viennent à légèrement le modifier un peu à chaque fois. Il y a différents partenaires, il y a différentes idées qui se sont greffées. Euh, on a eu euh, des, des, des organismes qui se sont joints, ainsi de suite. Donc, nécessairement, le projet en, se modèle en fonction des partenaires et de la communauté. Mais pour nous, un projet comme ça, un projet de recommencement d'un bâtiment, ben ça se fait avec tout le monde, ça se fait avec toute la communauté. Puis quand on est toute la communauté, on est nécessairement euh, extrêmement inclusifs, on pourrait dire, par rapport à la communauté, c'est-à-dire euh, les citoyens, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les entreprises privées, bien entendu, euh, la municipalité, les différents paliers politiques. C'est des projets qui doivent littéralement être portés par toutes les parties prenantes, qui doivent être portés par tous les acteurs de notre société pour pouvoir se réaliser. Et c'est des projets qui doivent euh, euh, à la fois répondre à différents intérêts et différents besoins. Donc pour nous, vraiment, euh, la, la force de ce projet-là, elle euh, partait, comme je disais tout à l'heure, des initiateurs du projet qui avaient peut-être un rêve ou une volonté, puis qui, sont, qui ont été à même de, de voir si ça résonnait dans la communauté, voir s'il y avait de l'écho auprès des différents partenaires, voir s'il y avait de l'écho euh, auprès des, des autres personnes de l'Imolu, mais plus largement de Québec, et ça leur a répondu. Et c'est un peu pour ça que le projet s'est poursuivi euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, avant de conclure, peut-être, j'en ai pas beaucoup parlé, le projet qu'on a actuellement, là, c'est mon pitch de vente, on pourrait dire, mais <laughs> c'est le laboratoire d'innovation sociale. Donc, euh, on veut ouvrir à l'intérieur de l'Église un espace euh, dédié à tous les acteurs de notre société qui veulent avoir un impact social fort, qui veulent, à travers leurs activités, leurs services, à travers euh, leurs réflexions, à travers des projets très concrets, réfléchir et travailler à trouver des solutions à des enjeux sociaux clairs que rencontre le quartier de Limoilou, que rencontre la ville de Québec ou que rencontrent plus largement nos sociétés très largement. Les deux principes clés, c'est ça. D'une part, on veut se doter d'un espace pour réfléchir les enjeux qu'on rencontre, pour parler de transition énergétique, pour parler de décroissance, pour parler euh, d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social. On veut se doter d'un endroit où est-ce qu'ensemble, tous les acteurs sensibles aux différents enjeux sociaux vont être à même de possiblement se rencontrer et de possiblement collaborer parce qu'on croit que dans notre société, on a tout intérêt à sortir de nos silos. On a tout intérêt à rencontrer l'autre et à mettre en valeur cette différence, à mettre en valeur ce qui est différent chez l'autre parce que de la rencontre de nos différences, on va créer quelque chose ensemble qui va être beaucoup plus grand et on va apprendre l'un de l'autre. Donc, c'est vraiment un, un lieu d'échange, un lieu de rencontre qu'on veut développer ici dans l'espace. Ça s'incarne à travers cinq sous-projets, parce que vous me dites, oui, très bien, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, ça s'incarne à travers cinq sous-projets très clairs. Le principal, c'est un tiers lieu qui va prendre place dans la nef ici, où est-ce qu'on est actuellement, un espace public ouvert gratuitement. Euh, avec des tables de coworking, avec des salons de détente, avec possiblement des pôles euh, pour une bibliothèque numérique, par exemple, avec une salle multifonctionnelle qui va être ici. L'idée était simple, mettre en valeur l'Église, mettre en valeur le patrimoine, mettre en valeur notre histoire, et en même temps mettre en valeur les partenaires qui vont venir euh, participer avec nous au développement de ces différentes solutions et de, 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 de l'espace ici à l'intérieur de, de l'Église. Le deuxième sous-projet, il y a la location d'espaces euh, pour les organismes, les entreprises qui travaillent en innovation sociale ou qui travaillent à trouver des solutions aux enjeux sociaux, euh, qui vont être réalisés. Là, si vous voyez bien, il y a des balcons de chaque côté euh, et euh, à l'arrière, on va cloisonner avec des parois de verre, va dire jusqu'à maintenant, c'est ça, les plans, les côtés, en haut et, euh, et en bas, pour créer des espaces bureaux. Donc, comme ça va être cloisonné avec des espaces des parois de verre, l'idée c'est d'être capable d'avoir de la lumière qui rentre dans le cœur de la nef, mais en même temps de conserver une certaine profondeur sur, euh, sur la totalité de la nef. Il va y avoir un laboratoire d'innovation urbaine qui est toute une, une dimension de réflexion sur la ville. Comment réfléchir la ville avec toutes les différentes parties prenantes? Comment réfléchir euh, le développement, par exemple, euh, du, euh, du tramway avec tous les acteurs concernés? Avec les quartiers, avec les citoyens, avec les organismes communautaires, avec les entreprises qui travaillent déjà euh, sur le projet, avec les villes, pour faire des projets qui à la fois rassemblent la communauté, mais qui la représentent aussi, qui est à l'onde de ses enjeux et de ses besoins et de ses valeurs. Alors, on va avoir euh, un café-bistrot qui va prendre place en avant de l'église, des espaces de coworking, là il doit me rester une minute, hein, j'ai l'impression. <laughs> des espaces de coworking aussi, puisqu'on se dit, bien, développer des projets, avoir un espace d'innovation sociale, euh, il ne suffit pas de juste d'être ensemble, il faut aussi inviter d'autres personnes à développer des projets avec nous. Puis il faut les encourager, ces personnes-là qui ont des projets, puis qui veulent les développer. Donc, on va avoir un espace de coworking fermé, qui va être attitré à des innovateurs sociaux qui veulent partir des projets. Euh, on va avoir euh, le sous-sol, ça va être des espaces d'entreposage. Euh, pour la simple et bonne raison que là, rajouter 5 pouces au-dessus de ma tête, c'est le, le plafond du sous-sol. Donc, c'est très, très, très bas. Et on, on a vu dans le quartier qu'il y avait plein de personnes qui vivaient dans des 4,5, des 5,5 ou des 6,5 ou même des 3,5, puis qui avaient besoin d'espace de rangement. Donc, on s'est dit, on va développer ça euh, dans le sous-sol. Donc, c'est un projet qui est multifacette, à la fois pour répondre aux besoins de la communauté, mais à la fois pour aller chercher différentes sources de financement. Donc, euh, c'est donc ça. Pour conclure. Ah non, euh, là, excuse-moi. <laughs> Pour conclure, euh, ben dans le fond, le restart, là, quelques mots. Je pense que pour repartir, c'est beaucoup plus compliqué que de dormir ou de shutdown » le système. Ça demande un acte d'humilité parce que, bien entendu, il faut, euh, faut vraiment prendre conscience d'un problème il faut faire un retour sur soi-même, sur notre société, puis dire bon, là, il y a ça qui est problématique qu'est-ce que je peux faire Puis ça demande un acte de courage parce que passer à l'action, quand on rencontre un problème, c'est souvent insécurisant parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis, ça demande, là, pas mis, mais un acte de foi quand même, parce qu'il euh, qu faut y croire en tabarouette. Donc, euh, merci beaucoup à tout le monde. Je